On commence en plaquant l'index de la main gauche sur la quatrième, cinquième et dernière corde au niveau de la deuxième case. Enfin, quand on fait un mini barré. Ensuite, je vais positionner l'annulaire de la main gauche sur la quatrième corde, quatrième case, et le majeur sur l'avant-dernière corde, troisième case. Alors, au niveau de la main droite, je vais utiliser essentiellement index majeur et annulaire, ok, et le mouvement est le même poulon. Donc l'index de la main droite vient jouer la quatrième corde, avant-dernière corde est jouée avec le majeur. On continue à descendre avec l'annulaire et je remonte sur l'avant-dernière corde avec le majeur. Ce qui me donne. Ensuite on va relever simplement l'annulaire de la main gauche de telle façon qu'on puisse jouer la quatrième corde des incases. Donc on continue avec le même mouvement au niveau de la main droite. Ensuite, on va relâcher l'index de la main gauche et on va simplement laisser le majeur de la main gauche sur l'avant-dernière corde, troisième case. Et le mouvement de la main droite est toujours le même. Sauf que ce coup-ci, on joue ça deux fois. Allez, on va le refaire ensemble à vitesse réduite. 1, 2... Et bien maintenant, tu n'as plus qu'à l'accélérer. C'est pas trop compliqué, donc tu vas y arriver. Profite de la tablature qui est en ligne pour la télécharger et bosser dessus à vitesse variable. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.